artiste peintre modeste, aime se définir lui-même comme un homme accessible, ordinaire, ancré dans son époque et qui vit nos réalités quotidiennes. Homme de culture pluridimensionnelle, il allie merveilleusement le pinceau et la plume à travers d'innombrables œuvres qui sont des poèmes, des compositions de chants et des tableaux. Après plus de 30 années passées à travailler dans le silence et dans le secret, vient à présent le moment de parler de ses œuvres. Jamais des œuvres n'ont été aussi complexes, profondes, mais accessibles par le même temps. Jamais des œuvres n'ont suscité autant de fascination que de questionnement en nous-mêmes. À travers ses œuvres, l'artiste peintre modeste nous entraîne dans l'infini de notre existence. L'inspiration vient de partout. Elle vient d'abord de la forêt profonde, des réalités profondes cachées de l'Afrique. Tout ce qui sort de nous-mêmes, de nos tripes. Et nous pouvons être inspirés dans tout l'univers. Aujourd'hui, nous sommes au pied d'un fromager. Quand nous voyons cette arbre séculaire, nous voyons son gigantisme, sa solidité, son enracinement profond, nous pouvons dire que Dieu a créé et il nous permet d'aller au plus profond des choses afin d'en extirper le substrat. L'art, elle est partout. Elle est en nous, elle est autour de nous. Elle se manifeste dans chaque créature. Elle est la création de Dieu. N'oublie pas qu'il a pris son temps. Quand il crée le premier jour, il prend le temps d'apprécier. Quand il crée le deuxième jour, il prend le temps d'apprécier. Donc c'est va, c'est ça. C'est ça, c'est l'art, l'art au quotidien, l'art inspiré partout. Et aujourd'hui, nous voulons simplement vous dire que de ce baobab, ce fromager plutôt, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se dégage. Nous voyons son énergie, nous voyons sa forme imposante. Et nous disons que Dieu est grand. À l'image de Dieu, il pousse et il va vers les cieux. La richesse inouïe de son talent et de ses œuvres nous viennent comme d'une dimension haute et d'exception. Homme moderne, profondément épris de paix et rempli de générosité, l'artiste peintre modeste, à travers ses œuvres, est porteur d'un message d'espoir pour tous les peuples de l'humanité.